Non. Ils vont me faire péter un plomb. Hey, salut les potes, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et les amis, on va être sur un jeu qui m'a marqué. J'ai des heures et des heures dessus. Il s'agit bien sûr de Battlefield 3. Allez, let's go du coup, on est sur la map Noshar Canals. Toi tu... Oh bah non, ça fallait pas arriver. On est donc sur Noshar Canals comme je disais. Une map qui... voilà, il y a beaucoup d'action. On est en TDM. Il va y avoir du fight, ça va être une boucherie, une orgie, tout ce que vous voulez. La moins 2 pour commencer du joueur français. Eh franchement, ça fait tellement du bien de retourner sur ce jeu. Mais vous pouvez pas imaginer. C'est ouf. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Oh les souvenirs. Quoi? C'est pas moi qui l'ai eu. Mais j'ai frappé toi. Eh debout. Mais non, mais à chaque fois je voulais réanimer, il se casse. J'ai voulu sortir le gun, ça n'a point marché. Je me suis dit, allez, peut-être là. Hein, et ça fait quand même longtemps, les gars, que j'y ai pas joué. Hein, bon. On va se calmer, soyez indulgents, s'il vous plaît. Pas des soldats là? Ok, c'est bon, ça passe. Allez, on met un peu de vie. Ouais, casse-toi, toi. Ouais, je te voyais pas, quoi. Mec, mourir. Dégage. On a un autre là. Eh, je vous les laisse, hein. Salut les gars. Quoi? T'es pas mort toi? Mais lol. Toi t'es pas mort. Oh là 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 là, le joueur français. J'ai plus de balles, j'ai 10 balles. Casse-toi, donne-moi ton kit. Ok, ça va, c'est pas mal. Il faut juste arriver à survivre. Non, le kit. Je l'ai pas tué. Mais non, je l'ai pas tué. Mais non. Dégage. Ils sont chauds les mecs, ils sont chauds les mecs. Pokéball. Oh oui. Oh, la petite grenade parfaite. Mais arrête. Mais, attends, mais... Attends, Acier Barracuda, c'est pas le stalker lui? Attends, je crois que c'est un stalker. En fait, il faut savoir que sur ce jeu, j'ai la plaque Dice Approved. Donc en gros, c'est une plaque qui est très très rare sur le jeu. Mais quand je dis très rare, c'est genre on est peut-être 50 à l'avoir dans le monde. Et du coup, il y a des mecs qui s'amusent à te stalk. C'est-à-dire qu'ils vont constamment sur les serveurs où tu vas pour essayer de te prendre ta plaque quoi. Avant, en fait, avant quand j'allais sur un serveur, et vraiment véridique, j'allais sur un serveur, il y avait... Il y avait genre 10 personnes qui me suivaient pour me cuter. C'est vraiment, il y a encore des stalkers maintenant sur le jeu, c'est chaud hein. Nice. Allez. Regardez, non mais c'en est un. Si, c'en est un. Il essaye tout le temps de me cut, mais comment il fait pour savoir où je suis? Il a voulu. Mais non, mais arrête. En plus sur ces maps, ils peuvent tellement se faire plaisir. C'est que du close quarters. Mais non. Ils vont me faire péter un plomb. Your dog tags. Mais oui, mais si, c'est des stalkers. Allez, c'est des stalkers. En vrai, ça va être tendu parce que là, si je veux les éviter, si je veux éviter les stalkers, c'est... Il faut pas que j'aille au milieu. Il est là, je l'ai vu. Oh, you get this dice. Tu peux pas l'avoir. En fait, clairement, pour l'avoir, cette plaque, il faut être pote avec Dice. Voilà. Salut, le casse. Allez, on va jouer un peu le jeu, allez. Ils sont là. Les ACR, c'est les deux stalkers là. Plus, faut savoir que sur ce jeu, sur BF3, en fait, quand tu prends les plaques des ennemis, tu peux les mettre dans... Non. Casse-toi. Cassez-vous. Mais non. Ouais, faut savoir que sur ce jeu, quand tu prends les plaques des ennemis, tu peux pas les mettre, tu peux pas les utiliser, c'est juste une collection. En gros, c'est juste pour dire,
voilà, j'ai tant de plaques machin, tu vois. Et vu que celles-ci elles sont hyper rares, les mecs ils sont taqués dessus quoi. Allez, regarde-les. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais ils savent tout le temps où je suis. Non. Tant de merde. Casse-toi toi. Vu quoi? On campe pas sur ce jeu. Ils essayent tout le temps de me back en plus. Ils courent de partout. Ils veulent à tout prix ta plaque. Ils vont me rusher la gueule là. Ils vont me rusher la gueule. Je vais pas être bien. Regarde-le. Mais c'est pas possible, mais comment il sait que je suis là? Regarde-les. Non. 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 Casse-toi. Je flippe tellement d'avoir un mec qui me course derrière. Il y en avait un autre à gauche, dommage. Dommage. 61-11, c'est pas dégueu. Oh, la petite réa qui passe bien. Y'a un mec là. Il est là. Ouais, on va peut-être pas tout faire non plus, hein. Allez, à moins 2. Non. Allez, c'est encore lui, mais... Putain, mais attends, mais sans déconner, mais comment il sait à chaque fois où je suis? Ouais, merci. Oh, c'était lui. Avant, quand je jouais à ABF, en fait, le truc, c'est que j'avais toujours une squad, on était toujours 3-4 à jouer. Et mes potes savaient, en fait, que quand j'allais jouer, tu vas te faire foutre. Il y avait toujours des mecs qui allaient essayer de me stalk et d'essayer de prendre ma plaque. Du coup, c'était assez facile. Mais là, le problème, c'est que quand tu joues tout seul, t'as plutôt intérêt à faire gaffe à ton cul. Il va me faire péter un plomb. L'enfoiré. Ah, c'est un putain de ninja. Regarde, à chaque fois que je me mets là, ils le savent. Eh, ça va. Eh, moi aussi un petit coup de cut là, allez. Nickel, m'en fous, j'ai eu un coup de cut pour la fin. Nice, en plus ça me réanime. Yes, je crois que j'ai eu le dernier. Oh là là, cette partie. Oh les potes. Je suis en 77. J'ai fait 77 kills. Insane. Eh, c'était un truc de psychopathe. Cette game, c'était un truc de malade. Je pensais vraiment qu'il n'y allait plus avoir de stalker après tant de temps. Mais les mecs, ils sont toujours au taquet. Ils veulent à tout prix cette plaque, c'est un truc de fou. Bon, voilà les gars, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres lives. Salut tout le monde, ciao, bye bye.